Bonsoir Monsieur Nazaf, comment Bonjour. allez-vous? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous devenez depuis que vous avez arrêté votre carrière de footballeur? On est toujours en vie. On a toujours en vie. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette période d'absence? Occupé un peu des affaires qui m'étaient suspendues. D'accord. Est-ce que vous avez passé des diplômes ou bien pour une carrière d'entraîneur ou bien quelque chose du genre? Il y a des diplômes qui sont en cours, il y en a qui sont les Georgetown, qui est ceux dont j'ai passé, et il y en a qui sont en cours. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les diplômes que vous avez déjà, ceux que vous avez obtenus? Ça consiste à la méthodologie d'entraînement et la physiologie de l'exercice. D'accord. Pendant toute cette absence, est-ce que vous suiviez le parcours de la JSK? Oui, de temps en temps. Et que pensez-vous de l'effectif actuel de la JSK? C'était un bon groupe, mais qui a mal débuté avec l'ancien entraîneur, en voyant les résultats, je crois que c'est un groupe sans âme. Les joueurs arrivent mal à s'entretenir, à avoir de bonnes relations, premièrement entre eux. Deuxièmement, la relation entre eux sur le terrain. Peut-on dire officiellement que Lahsen Nazef est de retour à la JSK? Bien sûr, puisque je suis avec vous, normalement. Peut-on savoir quel poste allez-vous occuper? Ou la mazam à la balax? Les postes, vous savez, les postes. Moi, je suis chez moi à la JSK. Premièrement, je suis chez moi. Deuxièmement, ce qui me préoccupe, ce sont pas les postes que je dois avoir, mais c'est d'apporter une aide et revoir la JSK comme elle a été à la belle époque. Et quelles sont vos ambitions actuellement à la JSK? On aimerait bien voir l'équipe actuelle se stabiliser, renouer avec les bons résultats. Et on aimerait bien qu'avec les résultats, ramener aussi les supporters, les grands supporters qu'il y avait de la JSK, qui remplissaient le stade et avaient du spectacle à voir. Et là, Madame Benahdaya s'est renouée avec beaucoup plus les résultats et avoir un beau jeu. En tant qu'ancien joueur, avez-vous de la JSK, avez-vous un message à faire transmettre aux supporters de la JSK? Eh bien, je leur dirai quelque chose. Il faut s'armer de patience. Et le président Hanachi, il faudrait le soutenir dans ces moments difficiles. Ce n'est pas de sa faute que la JSK n'a pas eu beaucoup de résultats. Et il faudrait soutenir tout chacun qui travaille au sein de la JSK, premièrement, et pour renouer avec les bons résultats, pourquoi pas aller plus loin. Inch'Allah. Inch'Allah. L'équipe JSK Théo vous souhaite la bienvenue à votre maison. Mahlaïsik. Ouais, c'est le mec avec ça. Au plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.